Les Feux de l'amour, le feuilleton bientôt déprogrammé sur TF1. TF1 va à nouveau retirer le célèbre soap de la grille de ses programmes pour diffuser en lieu et place des téléfilms de Noël à partir du 28 novembre. Est-ce bientôt la fin des Feux de l'amour sur TF1? Après une interruption inédite de 2 semaines pendant les vacances de la Toussaint, le célèbre soap, diffusé depuis 1989, va de nouveau disparaître de la grille de la première chaîne à partir du 28 novembre. TF1 a décidé de diffuser à la place de son feuilleton historique 2 téléfilms de Noël par jour. Suivi par plus d'un million de téléspectateurs, la série américaine a perdu en puissance ces derniers mois. La Une semble moins compter sur le programme que par le passé, et retire régulièrement le soap de son antenne pendant les vacances scolaires. Elle doit également faire attention à la concurrence des autres chaînes, notamment M6, face à son feuilleton à succès. TF1 préparait, elle, la déprogrammation définitive des Feux de l'amour. Victor Newman, Jack Abbott et les habitants de Genoa City vont-ils devoir faire leur adieu aux téléspectateurs? La date du retour du feuilleton sur TF1 n'a pas encore été communiquée pour le moment. Mais le soap ne devrait pas revenir à l'écran avant le début de 2017 en raison des fêtes de fin d'année. Téléstar a tenté de contacter TF1. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée par la chaîne sur une suspension de la série hors vacances.